Attendez, hop. Faut juste que je revoie un paramètre. Hop, c'est bon. C'est d'autant plus débile que du coup le Shaya du 5, le Metal Gear du 5 quoi, est 15 fois plus évolué quoi. Chaton, si tu pouvais sortir, ce serait bien. Phase 1 terminée. 15 secondes, enfin 15 secondes, non 15 minutes parce que j'avoue que cette technique, ça demande légèrement plus de temps. Et donc si j'ai bien compris, à la phase 2, il faut faire pareil. Donc je vais vous laisser la cinématique pour que vous puissiez en profiter. Surtout que vous avez vu beaucoup de choses passer la dernière fois. Et je vais prendre mon café parce que j'ai envie de le café. Donc nous sommes toujours sur Metal Gear Solid 1. Ça commence à faire long d'ailleurs pour le 1. Et on joue toujours sur ma vieille PlayStation. J'ai réussi à capter la manette. Ouais, j'ai sorti le stick analogique quand même parce que bon, jouer avec la croix c'était juste horrible quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je suis prisonnier de la mort. Toi seul peux me libérer. Reste en dehors de ça, Fox. Et Naomi, elle cherche vengeance, entendu ? Tu es le seul qui puisse l'arrêter. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune. Et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang. Pour apaiser mon sentiment de culpabilité, elle me considère toujours comme son frère. Fox, en apparence, nous formions une famille heureuse. Un frère, une sœur. Et à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part, dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah, voilà! On a presque plus de temps. Tiens, un dernier cadeau de défaut. Je vais arrêter ce bidule. Je vais arrêter ce bidule. Ça m'a fait bobo. Donc nous sommes samedi 20. Il est 9h30 du matin. Et je pense que demain je ferai une spéciale Zelda pour les pour l'anniversaire, c'est les 30 ans. Je sais pas lequel je vais faire. On ne chasse pas le renard, on chasse le chacal. Et on se sert que de Harry. Je verrai. Fox. Je me demande si son exosquelette va résister. Tu vas le laisser mourir, Snake ? Il a détruit le dôme du radar. Je suis impressionné. Tu mérites bien ton nom de code Fox. Mais c'est la fin. Je suis impressionné. Je suis à moitié à poil dans un cockpit de robot. Fox, alors tu tires, tu le tueras aussi. Là, devant toi. Non, je ne peux pas le faire. Enfin. C'est pas vrai. Je ne peux pas le faire, puissant Zibar. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas tuer mon ennemi. Je suis totalement mort. Je ne peux pas, non. Non, c'est pas vrai. Je ne peux pas le faire. De la non, lumière. Je ne peux pas le faire. Et bientôt. Bientôt.
Bah range ton stinger et arrête de me casser les couilles si tu peux pas le faire. Putain, t'as tué combien de gardes depuis le début du jeu là? Et crouch. Snake, personne n'a le droit de se servir de nous. Tu m'entends? Je n'ai vécu que pour me battre. Je ne savais faire que ça. Au moins, je me suis toujours battu pour un idéal. Snake, adieu. Bam, 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 bam. Quel imbécile! Il implorait la mort. La mort l'a exaucé. Tu vois, Snake, tu ne peux protéger personne. Pas même toi. Meurs! Allez, passe sous ses jambes. Allez, 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 allez! Oui. Ça la cible. Peut-être plus proche. Peut-être plus sur le côté. Je sais pas. En fait, le système, c'est que le Metal Gear va bouger, et à un moment, il va s'arrêter. Et donc, on attend ce moment où il s'arrête, pour nous-mêmes, tirer. Donc, plutôt à gauche. D'accord, c'est carrément tout le temps à gauche en fait. Pas que ça change grand chose au final, mais... Tout de suite, le boss, c'est n'importe quoi, quoi. Maintenant, je me rappelle pourquoi on y arrivait si facilement quand on était jeune. En fait, une fois que t'as la technique, en 5 secondes, le boss, il se fait. En 5 secondes. Vas-y, bouge, parce que là, je sais que tu vas bouger. Hop. Fais tes 3 mm, un petit écart, non? Eh ben les ingénieurs russes, ils faisaient du bien meilleur travail que vous, les Américains. Là où tu sais pas que je suis. T'as pas vu le missile passer entre tes jambes, mais... On va faire attention parce que s'il m'écrase, je vais mourir. Ce qu'on va faire, c'est ça.
théorie, il devrait en rester un ou deux. Ça, deux. Allez, repasse en bleu. Allez, vite. Putain, merde. T'es en bleu maintenant, c'est cool. Désolé. Et donc, aucune rage hein, aujourd'hui. Je vais te réduire en poussière. Ah, et donc je remercie Benoît pour son commentaire désagréable mais très juste. Le boss est super simple, il suffisait de passer entre ces gens. Gros loup. Je suis mort. Matinée. Liquide. T'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Depuis son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore. Et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerrier. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là! Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux! En toi dort un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqués? Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. R avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ses cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode Super Bébé. Super Bébé ? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de père.
Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus, afin de faciliter le développement fœtal. Au départ, nous étions des octuplés. Des octuplés ? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Nous voilà donc, toi et moi, 2 fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype au gène dominant. Pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi ? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la 2e génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères, et portent les mêmes gènes que nous. Moi, j'ai pas tué comme des chiens. Soldats génomes, mais parfaitement. J'ai dû en tuer une vingtaine. Ils sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices ? Des expériences sur l'homme. 1991, la guerre du Golfe. Des soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ridicule ! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition à une fuite d'uranium des munitions anti-char. Ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarin n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussi ? Mais non, taré ! Elles sont un échec complet ! Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi ? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie ? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille ? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre, tu sais pourquoi ? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes ? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire,
D'abord, je dois te tuer. Regarde derrière toi. Meryl ! Elle est vivante ? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl ! Quelle idiote ! Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Entre nous. Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche Meryl. Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Foxdie? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par AWAC. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-71-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Foxdie. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel. Je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hazeman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était... mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Fils de pute.
Vraiment, t'es un fils de pute. Finissons-en avant l'attaque aérienne. Tu m'as tout pris, tout volé. Ta mort seule pourra me satisfaire. Elle seule pourra me rendre ce qui me revenait de droit. Oh, quel joli sacrifice pour notre dernier affrontement. Tu vois ça? C'est le temps qu'il nous reste pour notre ultime combat. Ce module nucléaire lancera un missile à la seconde même de sa mort. J'essaie de comprendre l'intérêt, mais je crois qu'il n'y en a pas en fait. Si tu gagnes, tu auras une chance de la sauver. Et tu pourras même vivre une minute d'amour avant la fin. Ah, c'est minuté pour que je le batte en moins de 3 minutes. Dépasse cette limite et tu tombes. Et à cette hauteur, c'est la fin, même pour toi. C'est de la triche, le mien, il penche en arrière. Snake, en garde. Ah d'accord. Lâchez ton coup de pied. Bon, je me fais la télé clés. Bon bah c'est mort. Hein. Là, pas terrible. Non. Dépêche-toi, ça va exploser. Tam 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 tam. Donc il a le coup de pied, il a l'air d'avoir une charge, il s'est mis en avant là comme un rugbyman. Faut aussi tomber de ce côté. Allez, arrête d'essayer de tomber, Snake. C'est pas comme ça que tu vas sauver le monde. Allez, 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 monte. Thank you.
Putain, c'est dur de l'esquiver, ce fils de pute. Ça se fait qu'il me fasse autant de dégâts et moi aussi peu. J'évite ses coups un petit peu, ça serait pas mal, je crois. Allez, remonte. Allez, remonte. Ça marche bien cette technique en fait. On part au niveau du temps. Bam 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 bam. Putain, les phases d'invincibilité quoi. C'est trop tard. Bon, ça peut passer si j'arrête de faire le con. Donc on va arrêter de faire le con. Maintenant qu'on a trouvé une technique.
Non, je veux pas que tu tombes. Allez, remonte là. Non, tu vas pas tomber comme ça. Je me sens un peu floué quand il remonte et qu'il me tape. C'est trop tard. Allez, 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 remonte! En essayant de se relever, le mec il tombe. J'ai gagné. C'est bon, il faisait 3 mètres ton robot. C'est vrai que t'es tombé dans l'immeuble. Meryl. La bombe. T'occuperas de Meryl après. Sous la torture. Torture ? Mais s'il y avait de la torture, je me battais. Tout comme toi. Tu es fort, tu sais. Les combattre m'a rapproché de toi. J'avais l'impression que tu étais à mes côtés et ça m'a donné la force de continuer. Mais j'avais peur. Je suis désolé. Dis pas ça. Mais j'ai réalisé quelque chose. Une seule pensée me hantait pendant que je souffrais, pendant qu'il m'humiliait. Un seul espoir qui m'a permis de rester en vie. Snake, je voulais te revoir. Meryl. C'est mon codec. C'est pas ma bite, c'est mon codec. Snake, c'est moi. J'ai de bonnes nouvelles. Meryl va bien. Génial. Tu l'as sauvé, mon vieux. Bien joué. J'en ai également de mauvaises. On va nous bombarder. D'accord. Nous ne sommes pas considérés indispensables. Est-ce qu'on a un moyen de sortir d'ici? Ouais. Tu peux emprunter le tunnel de chargement jusqu'à l'extérieur. Il y a un garage juste à côté. Le tunnel commence là et s'achève à l'extérieur. La porte en face ? Non, il y a une petite entrée à l'ouest de cette porte. Et pour les sécurités ? Je viens de les déverrouiller. Tu parles à un spécialiste, mon cher. Je m'occupe aussi des sécurités de ton parcours. Mais toi, tu vas faire quoi ? Moi ? Je reste ici. Ça va pas, non ? J'ai besoin d'un peu de temps pour préparer ton évasion. Mais... Déverrouiller la sécurité des portes, c'est dangereux.
Je suis le seul qualifié. Otacon. Mais t'inquiète pas. J'ai choisi de rester. C'est ma décision. Ouais, enfin c'est moi. Otacon, nous sommes dans un abri renforcé. Mais ils utilisent une bombe atomique marteau-piqueur. Je ne veux plus vivre dans le passé. La vie ne se résume pas à ce qu'on a perdu. Snake, je suis devenu un être à part entière. J'ai une raison de vivre. C'est bien. Reste en vie. Toi de même. Et attention à Meryl, ok? D'accord. Bon, il faut que j'y aille. Je m'occupe de ton évasion, c'est promis. Merci. Merci. Ça sonne bien. Je crois en toi. Merci, Snake. Allez, faut qu'on file d'ici. Mais lui? Où est Otacon? Il est en train de se battre contre lui-même pour devenir l'homme qu'il veut être. Il se bat aussi pour nous? Ouais. Et j'espère que c'est pas pour rien. Bien, d'accord. Et la petite bombe qui était placée juste à côté de Meryl, tu... Non. Snake. Meryl. Meryl. Snake. Et c'est parti. Je dois être lourde. Je crois que pour la scène d'amour, c'est encore raté. On dirait. Quel dommage. Allez, sortons d'ici. Snake, gèle dehors. Faudrait que tu t'habilles. Regarde, ma combinaison. Dépêche-toi. Ah, ce serait con qu'il reste torse nu alors que Liquid, lui, il pouvait. Vite. Ah, elle a carrément enfilé un gilet orange. C'est pas mal, Snake. Enfin, une plus belle cible. Vite! Ouais, j'ai une ration. Je prends le volant. Non, une caméra. Plus, pas de clé. C'est bon, allez Snake, monte. En fait, je suis en train de faire des trucs inutiles et perdre des vies inutilement. Carrément. Bien, mais comment on vise? D'accord. Si tu veux. Peut-être plus facile sans l'analogique pour le coup. Je prends le volant. Non, une caméra. Ça va, et les clés sont là. C'est bon, allez Snake, monte. Tu perds encore plus de vie que tout à l'heure.
Bon bah c'est mort, hein. Ah, c'est plus facile avec la touche analo... la touche... C'est sûr qu'avec si peu de vie, on n'y arrivera pas. Dum, 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 dum. Vite! Et si on faisait ça à la pute? Je prends le volant! Bon, une caméra! Pas de clé! Ça va, et les clés sont là! Attends, elle tourne à gauche ou à droite au premier? Ouais, par les tirs sur la droite. C'est quoi ces mecs qui résistent à des salles de mitrailleuses quoi? Je dirais que j'ai pas réussi surtout. Glorieuse sera notre bataille. Avec un fin masque.
C'est la mauvaise fin. Merrill, ça va? Oui, juste un peu secoué. Merrill, tu peux bouger? Inutile, je suis coincée. Qu'est-il arrivé à Liquide? Je le vois pas non plus. Liquide est mort. Bon sang. Snake! Snake! T'as plein de trous dans les polygones, mon gars. Mais s'il meurt, ça veut dire... Snake, ne dis rien. Et le bombardement? Pas d'avion furtif en vue. Snake, tu me reçois? Colonel. Tu vas bien? Colonel, que s'est-il passé? Le secrétaire à la défense vient de partir à la retraite. Brusquement. Arrêté? J'ai pu entrer en contact avec le président. Metal Gear, l'exercice, tout ça. Le secrétaire à la défense n'agissait que de son propre chef. Tu parles d'un chef. Et qu'est-il arrivé à l'attaque aérienne et au bombardement? Les ordres ont été annulés. Les F-117 et les B-2 Spirits viennent de retourner à leur base. J'ai de nouveau toute autorité sur cette opération. Je vois. Washington n'est pas bête au point de lancer des bombes atomiques pour couvrir quelques secrets. Moi, j'en suis pas si sûr. En tout cas, le danger est passé. Merci, Snake. Colonel, tu peux respirer. Merrill va bien. C'est vrai? Merci, Snake. Merci. Je suis désolé de t'avoir caché tant de choses. C'est pas grave, Colonel. Snake, je ne suis plus colonel. Ah ouais, c'est vrai. J'ai un cadeau pour toi. Près de toi, il y a une snowmobile. Mailing l'a détectée sur les photos satellites. Les glaciers ne bougent pas trop à cette époque de l'année, tu pourras l'utiliser pour sortir de là. Les types de la DIA et de la NSA ne s'attendaient sûrement pas à t'en voir sortir vivant. Remarque, moi non plus. J'ai intérêt à disparaître. C'est déjà fait. Vous êtes officiellement morts tous les deux, noyés dans l'océan. Il ne s'en est fallu que d'un cheveu. Il y a aussi un hélicoptère qui vous attend sur l'île Fox. Le docteur Alemric doit se trouver quelque part sur la base. Fais-le ramener. C'est d'accord. Je m'en occupe. Ok, Roy. Est-ce que ça va aller? T'inquiète pas. J'ai une police d'assurance. Une copie de toutes les données de Mailing. Alors toi, Mailing et moi, on n'a rien à craindre. L'énergie contenue dans ces nanomachines va bientôt s'épuiser. Ils ne pourront plus nous suivre. Je suppose qu'on ne se verra plus. Mais si... Je viendrai bien te rendre visite. Mais j'espère bien. Roy, dis-moi une chose. Quoi? À propos de Fox Die. Merrill n'a rien à craindre. Elle ne faisait pas partie du programme. Et moi? S'il a tué Liquide? Naomi a dit qu'elle voulait en parler avec toi face à face. Où est-elle? Ne t'inquiète pas. En ce moment, elle est avec Mailing. Je te passe Naomi. Snake, c'est moi. Naomi. J'ai appris. Pour mon frère. Je suis désolé, mais il voulait vous faire passer un dernier message. Ah? Il m'a dit de vous dire de l'oublier et de commencer à vivre votre propre vie. Frankie a dit ça? Ouais. Il a dit aussi qu'il vous aimerait toujours. Naomi,
Sachez que votre frère vous a sauvé. Vous, moi, et le monde entier. Il s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait. Peut-être. Peut-être qu'il a enfin trouvé la paix. Il n'était plus vraiment mon frère. Depuis qu'il s'était battu avec vous à Zanzibar, il n'était plus qu'un fantôme à la recherche d'un lieu pour mourir. Naomi, Liquid a succombé à Fox Dye. Est-ce que moi aussi je vais en mourir? Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun de nous meurt quand il est temps. Ouais, et c'est quand mon temps? Vous décidez de ce que vous faites pendant ce laps de temps. Vivez, Snake. C'est tout ce que je voulais dire. Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable. Immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas qu'à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents. Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien appris. C'est exactement comme pour les soldats génomes. L'implantation de toutes les informations génomiques ne fait pas de meilleurs soldats. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu. Sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Snake, que tu sois ou non dans le programme Fox Dye, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Tu ne crois pas, Snake? Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant. La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça. En nous aimant. Comment elle a détecté ça sur les satellites? Le truc est dans une caverne. Je viens enfin comprendre le vrai sens de la vie. Snake. Regarde, j'ai trouvé ça. Gardons-le, en souvenir. En souvenir d'une mission réussie? Ou du moment où on s'est rencontrés? Un mode d'emploi de la vie. Hein? Jusqu'à présent, je n'ai vécu que pour moi-même. J'avais fait de ma survie le but unique de ma vie. Tu n'es pas le seul. On est tous pareils. Je ne me sentais vivant qu'en fixant la mort bien en face. À savoir, c'était peut-être écrit dans mes gènes. Bon, et pour la suite, ils te disent quoi, tes gènes sur le futur? Peut-être que je dois vivre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Oui. Quelqu'un comme toi. Peut-être est-ce la vraie vie. Bon, Snake, on va où? Dave. Je m'appelle Dave. Ok. Alors Dave, on va où? C'est le moment de prendre une autre direction. Une autre direction? Un autre but. On va le trouver?
Je crois, oui. Oui, je crois. C'est quoi ça? Des caribous. Pour les Aleutiens, c'est le symbole de la vie. Le printemps sera bientôt là. Pour nous aussi? Ouais. Tout se renouvelle au printemps. C'est le temps de l'espérance. Ça fait longtemps que je vis ici. Mais l'Alaska ne m'a jamais paru aussi belle. Le ciel, la mer, les caribous, et surtout, toi. J'ai dans l'idée que je vais aimer cette vie. Allez, si on vivait un peu. C'est beau. Janvier 93, l'accord START 2 a été signé aux États-Unis et en Russie, ont chacun accepté de réduire leur nombre d'ogives stratégiques pour le faire le baisser à 3000, bien qu'une tolérance de 3500 soit admise en 2012. Néanmoins, à l'heure actuelle, on estime que 26 000 têtes sont destinées, encore disséminées dans le monde. 26 000 wow. Deux fois idéo déjà. Trois, quatre, cinq, six. Sept. Huit. Neuf, dix, onze, douze, treize,
14. Je vous disais, ça faisait un moment. 15. Dix-sept. Dix-neuf. Ouh, on va peut-être dépasser les 20. Hein. 20. Pile 20. Non. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Et donc, il y a 20 fois le nom d'Hideo Kojima. L'entière unité a été balayée. Oui. Oui, monsieur. Oui. C'est de là qu'on t'en vit. Le vecteur. Oui, monsieur. Fox Dive va s'activer très bientôt. Comme prévu. Oui, monsieur, j'ai récupéré les données de l'exercice Rex. Non, monsieur. Ils ne savent toujours pas qui je suis vraiment. Oui, le chef du DARPA connaissait mon identité, mais... Ce n'est plus un problème. Oui. Finalement, c'est l'inférieur qui a gagné. C'est exact. Jusqu'à la fin, Liquid a toujours pensé qu'il était l'inférieur. Oui, monsieur. Je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi équilibré que vous. Non. Non, personne ne sait que vous êtes le troisième Solidus. Que voulez-vous que je fasse de la vie? Bien, monsieur. Je la garde sous surveillance. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur le président. J'adore, c'est systématiquement Ocelot qui fait la voix de fin. Léopard. Donc j'ai sauvegardé 6 fois, j'ai fait 24 continues, j'ai été trouvé 21 fois, j'ai tué 56 ennemis. Oh. Ouais, on va enregistrer. Ah merde, j'ai plus de place. Allez. On s'en fout. Juste voir ce que fait le bandana, je me rappelle plus. Poum, 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 poum.
Ouais, attends. Bam. Oh putain. Hop. Appuie sur Start. Vérification. L'Alaska n'a jamais été aussi belle. Ici Snake. C'est bon, je le connais. Sans limite, c'est-à-dire quoi? Que munitions limitées? Que je suis invincible? Que... Hein? C'est quoi ce bruit? Pas le bon que j'ai attiré. Eh bien les amis, nous avons fini Metal Gear Solid 1. Et c'est avec joie que je vous annonce que on va passer au 2. Et comme je suis pas très bon, je vous souhaite donc une très bonne journée. Et on se voit tout à l'heure quand j'aurai tout branché. A tout à l'heure.